Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite critique du dernier film que j'ai été voir au cinéma, Alibi.com 2. Alors voilà comment ça s'est passé, tout simplement un dimanche après-midi, on ne savait pas quoi regarder avec mon chéri, du coup on s'est mis Alibi parce que j'ai pour volonté de me faire l'intégralité de la filmographie, de la bande à Fifi. J'avais commencé avec Nicky Larson que j'avais trouvé plutôt sympa, mais on m'avait dit « t'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là, c'est pas forcément celui qui représente le mieux leur cinéma ». Du coup, derrière ça, j'avais regardé Babysitting 1, que j'avais vraiment adoré, même si je trouve qu'il était un petit peu trop ciblé jeune public. Et que du coup, il était un petit peu trop ciblé. J'ai vu par la suite, du coup, donc, ce fameux dimanche, Alibi.com. Et là, par contre, je me suis dit, c'est génial. Et là, du coup, j'ai regardé mon chéri, je lui ai dit, écoute, bébé, est-ce que ça te dit ce soir qu'on aille voir Alibi.com 2? Du coup, Morad, il me fait les deux dans la même journée. Je dis, mais on s'en fout! C'est ça, c'est la beauté de l'improvisation! Ça pimente la vie quotidienne! Bref, je m'égare. Du coup, bam, bam, bam! Une heure après avoir vu le 1, voilà qu'on prend nos petites places de cinéma et on va voir le 2. Totalement imprévu, mais du coup, c'est ça qui est bon. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, Alibi.com 2, j'ai adoré. Mais il est en plus très nettement supérieur au premier. C'est incroyable. Alors, je ne vais pas spoiler dans un premier temps. Je spoilerai un petit peu à la fin, donc je le dirai. Mais vraiment, qu'est-ce qui fonctionne dans ce film? Eh bien, c'est à peu près tout, en fait. Je ne peux pas dire mieux. Le scénario, parce que c'est compliqué de faire une suite à ce genre de film avec un scénario pareil. Il faut trouver le bon scénar et surtout réussir à le justifier pour que ce soit crédible et pas totalement... what the fuck, entre guillemets, juste parce qu'on voulait faire une suite. Là, franchement, ça tient la route. Les personnages sont encore mieux développés que dans le premier. Ils sont encore mieux écrits. Même si, attention, hein, on n'est pas sur du Shakespeare. Mais en même temps, ça n'a pas la volonté d'être du Shakespeare. C'est une comédie française qui veut juste faire le taf et qui veut juste te faire passer un bon moment. Et moi, je dis, ce genre de comédie, eh bien oui, là, moi, j'accepte de donner 9 euros au cinéma français. Là, j'accepte de leur donner ma thune. 9 euros, c'est ce que je paye au CGR. Je sais que pour certains, c'est beaucoup plus. Donc, vraiment, ça va être gaguesque pendant 1h25 montre en main et ça ne s'arrête jamais. Ça commence avec un premier gag au bout de 1 minute 30 et à chaque fois, ça y va, mais vraiment crescendo, quoi. Et ça termine avec, une apothéose, mais je ne peux pas dire mieux. Les acteurs jouent les personnages et ils y croient, mais vraiment, ils sont les personnages. Je trouve que la relation entre Philippe Lachaud et Élodie Fontan, parce qu'a priori, ils sont ensemble dans la vraie vie, et franchement, ça se voit à l'écran. Ça transpire la complicité, leurs deux personnages, le fait qu'ils soient également en couple en vrai, ben, ça se voit. Et du coup, il y a une réelle complicité dans ce couple. Tous les acteurs sont remarquables. Même Ariel Dombal, que je n'aime pas spécialement, parce que je trouve que c'est une mauvaise actrice et une mauvaise chanteuse. Ouh, ça tire balle réelle. Mais non, réellement, je le pense. Mais même là, entre guillemets, elle est totalement en roue libre, comme d'habitude. Mais ça fonctionne parce que c'est le scénario le permet. Le scénario lui offre cette possibilité. Donc, ça va bien en ancienne actrice du X. Je trouve ça génial. Didier Bourdon, que j'adore. J'aime le fait qu'il soit mis en avant comme ça dans des comédies françaises qui permettent de le faire découvrir mais aux plus jeunes, en fin de compte, qui ne sont pas nés dans la génération des inconnus. Donc j'aime que Didier Bourdon fasse partie de ces comédies-là et que ça montre qu'il existe encore. Franchement, je ne peux pas dire mieux que pour Alibi.com, c'est une suite de gags réussis, c'est des personnages qui sont mieux développés, c'est une écriture qui est encore plus fluide et qui est encore plus maîtrisée. C'est un feu d'artifice d'humour. Dès que tu as une blague qui même va être un chouïa en dessous, eh bien la blague suivante arrive tellement vite que tu en oublies celle qui t'a pas trop fait rire. Tu dois avoir une blague toutes les 30 secondes. C'est un rythme d'écriture qui est absolument fou furieux. Donc respect à eux parce que franchement, réussir à écrire un scénario qui comme ça va te sortir une connerie toutes les 2 secondes, c'est assez compliqué. Et ils ont réussi à faire ça, donc... chapeau bas les artistes, vraiment. C'est la définition même de la comédie qui te fait rire, de la comédie qui te fait du bien. Et franchement, je vois qu'à l'heure actuelle, le film est en train de percer au box-office. Le bouche-à-oreille est vraiment incroyable. Et il va pas tarder à talonner Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Là. J'ai pas vu, pas envie de le voir. Bref, je pense vraiment que ça veut tout dire.
On est sur un film qui a coûté a priori une petite dizaine de millions d'euros face à un Astérix qu'on a coûté 65 ou 69. Et comme quoi ça montre bien que voilà quoi. Surtout que tous mes amis qui ont vu Astérix m'ont tous dit la même chose. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Du coup, moi je leur ai dit, hé les gars, allez voir Alibi.com 2, vous allez voir, là c'est vraiment bien. Donc franchement, c'est tout ce que je peux dire sur ce film. Que c'est bien réalisé, que c'est bien joué, que c'est bien écrit, que c'est une suite de gags qui ne sont pas pipi caca, qui ne sont pas forcément non plus ultra inspirés, mais qui fonctionnent tout simplement, que ça va crescendo dans le côté toujours plus what the fuck, et que ça finit en apothéose totale. Vraiment. J'espère malgré tout qu'il n'y aura pas de Alibi.com 3, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment tout donné là. Celui-ci, pour moi, c'est à ce jour le meilleur film qu'ils aient pu faire, en tout cas parmi tous les films 2 que j'ai pu voir, et il y en a que 2 que j'ai pas encore vu, c'est Babysitting 2 et Épouse-moi mon pote, que j'ai pas spécialement envie de voir parce que je pense que ça va puer le cliché sur l'homosexualité. Je l'ai pas vu, donc je reviendrai vers vous quand je l'aurai vu. Mais bref, très vite, spoiler, le seule petite chose qui m'a déplu dans ce film, donc spoilers. Ça va être à la rigueur le passage avec Gad Elmaleh où il rentre dans la télé, où là j'ai trouvé ça vraiment too much et là pour le coup vraiment débile. Là où le reste de l'humour est bête, mais bête intelligent. Peut-être le seul truc où je me suis dit, ouais, ça par contre c'est vraiment très bête quoi. Mais sinon c'est le seul passage. Voilà, donc Alibi.com, vous l'aurez compris, j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est que c'est une super comédie française. Que franchement, que dire de plus? Ça te fait bien passer le temps. Personnellement, donner mon argent pour ce genre de comédie française, moi j'ai dit oui. On rigole, on passe du bon temps. Et Dieu sait qu'avec le climat ambiant actuel, eh bien ça fait du bien. Voilà donc, franchement, courez et allez voir Alibi.com 2. Vous passerez un excellent moment de détente, un excellent moment de plaisir devant du cinéma français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous ne l'avez pas aimé? Dites-moi tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter. Et enfin, n'hésitez pas à critiquer. Parce que critiquer, c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, salut!